Magnifique, c'est parti. Ah, ça y est. J'espère que c'est la fin des incidents techniques. Alors, il est 10h, on peut le dire. À midi, il faudra que je commence à recharger le téléphone pour me faire avoir au niveau de la batterie. Et on va rejoindre Nayonet sur le Plastane. Donc, oh! Merde! Incroyable, un écureuil! Regardez-le, l'écureuil. Excellent. Putain, mais il est encore là en plus. Eh ben dis donc. Bon, allez, zoom. On va aller voir Nayonet. Attends, je vais verrouiller le zoom. Ah bah elle est bonne celle-là. Ah oh, c'est sympa, c'est enchanteur. Alors. Oula, je suis là. Ouais. Thank you.
déjà en train de bouffer. Attention, je tourne. Je tourne déjà. Comment ça va, Nayane? Tu as des miettes plein sur toi, Goré. Comment que ça va? Là, il fait meilleur que vendredi. Ça va. Fait déjà plus chaud plutôt. C'est fou. Ouais. Tu vas bien? Eh ben, je vais fort bien, merci. Je suis vraiment en pleine forme. Je suis sûr que toi aussi. Ça marche cette fois-ci. Ça marche cette fois-ci et j'ai bien fait de l'allumer à l'entrée de la pépinière. J'ai filmé un écureuil. Magnifique. Okay. J'ai 30 secondes d'écureuil, magnifique. Donc c'est cool. Bah, on va se diriger tout doucement vers la butte Brabois qui est là-bas, là-haut. On voit pas à cause des bâtiments anciens, magnifique, mais on va se diriger vers là-bas au loin, un peu en diagonale d'ailleurs. Ouais, on y go, t'es prêt? Tu de go. Ouais, dans leur jardin Kanazawa, donc éphémère sur Plastane, le jardin éphémère. Donc là, je refilme pas, puisqu'on a déjà une séquence tournée suite au déboire de vendredi dernier. Merci à toi d'ailleurs d'avoir adapté ton agenda en catastrophe pour qu'on puisse refaire la séquence aujourd'hui. Ah, je te dis pas le stress sorti. Enfin, avant de sortir chez moi, j'ai testé 4 fois l'appareil ce matin. J'ai dit sur ça qu'il me fasse pas un foutu message d'erreur. Ah ouais, non, j'étais en stress. Et puis vis-à-vis de toi, j'étais vachement gêné en disant faut pas que je te refasse une deuxième là, parce qu'on va devenir taré. La première fois, moi j'ai été annulé. Vous êtes pas la caméra. La ouais. Deuxième fois, ça marche. Ouais. Mais c'était. Enfin, c'est derrière nous. Là, on va savourer la journée. Et je suis impressionné, pour la même heure, il n'y a pas de brouillard comparé à vendredi. Et il fait plus chaud, plus tôt. Donc là, du coup, je peux être en manche courte, je crève déjà de chaud. C'est effrayant. Il profite de la corbeille, t'as raison. Donc, après l'intro inattendue et merveilleuse de l'écureuil, j'ai bon espoir ce qu'on voit des chevaux dans leur box au niveau du parc Brabois. Ouais. Parce qu'il y a l'hippodrome tout proche. Avec un peu de chance, on se fera peut-être une petite séquence tournage sur le côté de l'hippodrome. De mémoire, je crois qu'il y a un chemin qui mène sur un côté où on n'a pas besoin, c'est ouvert au public. En face du parking, du bâtiment, là, les fonctionnaires qui gèrent les radiofréquences dans la région. Tu sais, tout ce qui est bande FM et compagnie. Ouais. J'ai un souvenir de ça il y a peut-être 10 ans maintenant. J'y étais allé. Si ça n'a pas été réaménagé depuis, ouais. Je devrais pouvoir faire une petite séquence tournage sur les chevaux. Ouais, alors déjà les chevaux et précisément un virage de l'hippodrome de Nancy-Brabois qui est célèbre dans le monde hippique. D'ailleurs, on reçoit des courses d'Alsace. Les Alsaciens sont en travaux dans leur hippodrome. Ils peuvent plus faire les courses, tu sais, les fameux PMU, machin, préparatif ouais. Et compète. Du coup, c'est Nancy qui reçoit. Donc, on a deux fois plus d'événements. Okay. Il pique depuis début septembre. Alors, la question est, quel trottoir allons-nous arborer? Alors, là on remonte à rester une place. Attends, pause, ouais. Là, on va déjà remonter comme ça, là, la rue Stanislas. Tu crabes ou pas? Tu veux aller voir les travaux? Pas au moment du centre-ville, parce que d'accord. J'ai peur de croiser trop de monde. D'accord. On va se greffer quand ça va être coudé et que ça va prendre le pont des fusillés. Enfin, non, pas le pont des fusillés, là, le pont devant la métropole. Ça, si je pouvais éviter d'avoir dans le cadre des anonymes quand je filme, ça m'arrangerait. Quand je vois les vitrines, je stresse parce que je me dis j'ai pas encore tous mes cadeaux de Noël moi pour la famille. Oh. Ouais. Puis plus t'attends, plus t'approches de la date fatidique, plus les prix peuvent potentiellement augmenter. Ouais. Les commerçants sont malins. Ah oui, c'est vrai. Ils taxent les retardataires. Ouais. Donc il manque quelques cadeaux. Il va falloir que je me hâte dans les 15 jours à faire 2-3 jamplettes. Oh,
vachement vite. Oui, il fait super bon. Non mais hey, on arrive à la mi-octobre. Hein. Vendredi, ils annoncent encore 26-27. On est à la mi-octobre là pour la fin de la semaine. Ouais. C'est hallucinant. On sera, je sais plus, on sera le 13, je crois, vendredi, le 13 octobre. 27 l'après-midi. Gros point d'interrogation. C'est quoi ce délire? Non. Alors, l'avantage que ça peut y avoir par rapport à la mauvaise saison, c'est ceux qui, bah, j'en dire tout le monde, pour qui ça douille au niveau chauffage. Donc du coup, bah, en espérant qu'il n'y ait pas un décalage dans le calendrier et que l'hiver qui approche soit décalé et long, tu sais, qui dure jusqu'en avril-mai. Là, ce serait dommageable. On verra. Ouais. Comme dit le dicton, qui vivra verra. Ouais. Là-dessus, on peut pas être devin. Absolument. Alors, les passages piétons, on va être obligé de bifurquer sur la gauche. Place normale. Pas de passage piéton, on fait pas de passe. Ouais. Ah, bah, c'est le fameux carrefour où il est censé y avoir le premier feu tricolore test pour les piétons. Au lieu d'être bicolore. Ah oui, c'est le carrefour Poincaré. Souvenez-vous, je vous en avais parlé. Oui, je crois. On a parlé de tricolore, mais j'ai oublié le fonctionnement. Ouais. Bah, ils essayent de calquer la logique des feux routiers pour les piétons. Ah, pour les voitures. Donc ils rajoutent l'orange. D'accord. Pour prévenir, vous engagez pas, vous risquez de vous faire dégommer. Bah oui, tu vois, pas, on pas, pas. Sauf qu'au premier coup d'œil, je ne vois rien. Non, en fait, ils ont joué sur un effet d'annonce ou quoi? Parce que là, je vois rien, il n'y a pas de feu. Il y a trop de monde. Oui, il y a trop de monde. On va rester là, ouais. On va rester là. Mais non, alors là, je vais pas filmer parce qu'il y a un groupe d'étudiants. Ils sont une cinquantaine devant l'établissement scolaire. Mais il n'y a pas de feu. Est-ce qu'ils ont renoncé à installer le feu tricolore pour piétons? J'ai l'impression. Ils ont peut-être fait un effet d'annonce bidon. Ever. On peut y aller. Ah, Octobre Rose, là, pour le cancer du sein, il paraît que ça fait un carton sur Nancy. Il y avait des photos dans le journal local, j'ai lu ce matin. Il y avait, je sais plus, 6000 personnes. Ouais. Ça faisait une marée rose, c'est bien. Ouais, marée rose. Il y avait une marche à pied, une course. Oui, ça. oui, ils ont fait un événement de ce genre, ouais. Là, je dégouline déjà de sueur. C'est horrible. Il est même pas... Il est quoi, 10 ans et demi encore. Alors... Alors, sache que je n'ai pas plus de crème solaire. Oui, non, non, oui, non. Non, non, là, je suis confiant. Pardon, je vais passer comme ça. Oh. Il y a des petits au devant. Il y a des gamings. Merci Nayone, je me sens moins seul. Ouais. Alors est-ce qu'on peut honteusement traverser là? Que ça me plairait. Ah ouais, attends, il y a la fourgon gris qui fait une manip. Alors là, en voiture, c'est long, le feu. Mais c'est pas là. La fameuse tourtière de Nancy. Ouais. Comme ça. Piège de cristal, comme j'aime l'appeler. Je crois qu'on va vite bifurquer sur la gauche. Attends, il y a personne. Il y a personne, vite. Génial. Il y a vraiment personne dans la rue, incroyable. C'est une grande artère de circulation de Nancy et il y a que public. Alors là, on démarre à une vitesse élevée. Bon, on va trop vite peut-être. Alors, je crois que de toute façon, naturellement, on va se calmer. Parce que quand ça a commencé à monter, déjà, je vais me taire parce que je vais reprendre mon souffle. Oui, c'est ouais, à la côte, on va en baver.
Ils font ouh Halloween. C'est la porte Stanislas, messieurs dames, que vous venez de voir. Attendez. Voilà. On va faire un arrêt sur image. Et hop là. Alors, ça, c'est pour la perspective de la place Stan. Ouais. Attends, je passe par là, pardon. La perspective de la place Stan, parce que s'il n'y avait pas ces portes qu'on vient de voir, et ben, ça ferait vide quand on regarde tout au centre de la place Stan. On va peut-être passer en diagonale là. Oui, là, on va voir la gare de Nancy. Mon pauvre, je fais bifurquer gauche, droite, sans cesse. Ah, mais je suis. Ah oui, tu t'adaptes super bien. Ah, la place Simone Veil. Avec la gare de Nancy. Oui, je l'ai filmé. Il est vraiment sur la vidéo. Il tourne l'image, voilà. Ouais. Ah oui, ça tourne. J'ai l'œil. Non, midi, il faudra que je le mette sur batterie. Dans les tests que j'ai fait, du coup, vendredi après-midi, quand j'ai pris la main, j'ai fait des tests d'endurance de la batterie. Et j'ai remarqué qu'au bout de 2 heures de tournage, il faut mettre la charge. Ouais. Attention. Ça part vite les batteries. Ouais. Puis là, ça bouffe. Hein. C'est un gros logiciel, le logiciel de vidéo. Ouais. C'est comme il contrôle en même temps la perche où il doit gérer le stabilisateur. Ça, c'est énergivore. Attends, on va couper honteusement. Eh, on a du bol, ça circule pas beaucoup. Dans notre dos, il y a une rangée de taxis qui attendent le client à la sortie de la gare. Saint-Léon, là, de l'autre côté. Ouais. Avec des trains. Dans là, on peut filmer un peu. Un TER, un TGV. Ouais, ça fait flipper. Ça arrive en 2007, les TGV. Ouais. Mais tu sais, à chaque fois que je vois ça, je me dis, mais merde, mais quand même, on est une espèce qui arrive à faire des trucs magnifiques. Dans la technique, on arrive à faire de ces engins de locomotion. Et ce qui me rend fou, c'est les graffitis. Les graffitis de tout le long de la voie ferrée. Mais parfois, quand tu prends le train, la dernière fois j'ai pris le train jusqu'à Metz, c'est-à-dire 50 kilomètres plus au nord. Ouais. Et encore, le compte n'y est peut-être pas. Mais parfois, en pleine cambrousse, t'as un mur qui est quasiment à 1 mètre de la voie ferrée, t'as des graffitis. Les mecs, ils prennent des risques pour chercher des surfaces à taguer. Ah ouais. Est-ce qu'on est très très vilain? On est très très vilain, il n'y a personne. Bon. Alors, il y a des travaux. C'est bien, c'est une 4 voies si on compte l'ancien tram. Vous voyez, ça, c'est ce qui démonte, c'est l'ancien tram. Le tram de Nancy sur rail et sur pneu en même temps. Ouais. D'ailleurs, il y a des passionnés, des amoureux de la chenille, comme j'aimais l'appeler la chenille. Je l'avais expliqué parce qu'il avait les rétroviseurs rabattus vers l'avant, vers le bas. Il y a des passionnés qui ont sauvé 2 rames du démantèlement et du ferraillage. Donc, je sais pas s'ils seront exposés plus tard. Alors, je salue l'initiative de ces personnes qui sont battues pour garder 2 rames. Mais
En même temps, je conspue le gestionnaire des tramways pour pas y avoir pensé à prendre cette initiative. Donc, ça fait partie de l'histoire de la ville. Puis technologiquement, on va être sur des, dans mon long de la voie du train, ça va être une rue large tout du long. Ouais. Jusqu'à la montée. Alors pour la montée, est-ce qu'on prend la petite rue, la grosse route sinueuse à gauche, ou est-ce qu'on prend la pente droite? On suit la voie du tram. D'accord, tout le temps. Ouais, oui, ouais, ouais. C'est juste que au bout du pont, voire même sur le pont, en fonction des travaux, on va bifurquer sur le trottoir opposé. Ouais. On sera plus peinard du côté droit que ce côté-ci qui est gauche. Trop vite, hein, je peux ralentir. Ouais, ouais, on va pas tarder à ralentir naturellement. Non, traverser c'est foutu. Quand tu vois la disposition qu'ils ont pris pour les travaux, on est couillonnés là, on va attendre le bout du pont. Ils ont tout creusé. Alors ils ont tout creusé, oui et non. Parce qu'en fait, ils avaient pas l'information, mais il y avait un revêtement, enfin c'est pas un revêtement du coup parce que c'est pas en surface, c'était dans la structure même du pont, qu'ils ont commencé à creuser pour retirer les rails. Ils se sont rendu compte qu'il y avait des, je sais plus, des dalles en béton armées. C'était pas prévu dans les plans au niveau de la démolition. Donc tactiquement, ils se retrouvaient coincés. Je sais pas comment ils ont géré ça. Bon, par défaut, tu devines qu'il y a un surcoût pour les travaux. Et en délai, en pognon. Mais bon. Ah oui, il y a un malheureux qui... Oh là là, mon Dieu. Oui, il y a longtemps. Enfin, il y a quelques mois. Je crois que c'est au début du printemps. C'est pas clair. Ils pensent pas, ils sont pas certains que ce soit un geste désespéré du malheureux, mais il était tellement alcoolisé qu'il a dû basculer en étant complètement pimpette. Et l'horreur. Paix à son âme, mon malheureux. Mais c'est pas mieux, hein, pardon, dans la rubrique Trash Nancy. Il y a des années de ça, un étudiant, je sais plus, il est en études supérieures, peut-être même ingénierie, et tu te dis, mais comment un candidat en ingénierie peut être aussi bête à un moment donné? Il a voulu faire le mariole, toujours sorti d'une soirée arrosée d'étudiants. Il y avait je sais plus quel chantier à Nancy avec une grue de chantier. Ah, oui. Et il a voulu faire le mariole en haut comme s'il était Crane de Dying Light, tu vois. Ouais. Sauf que lui, évidemment, il a dévissé. Il aurait mieux fait jouer à Dying Light direct. C'est ça, au lieu de faire ça dans la réalité. Parce que là, il a misé sa vie et il a perdu. Enterré la semaine suivante. Mais c'est une tristesse. Ah non, quand j'avais lu ça dans le journal, j'en revenais pas, j'étais dépité. C'est pas possible. Qu'est-ce qui leur passe par la tête? Traverser comme monsieur, si on peut. Ah non, on peut même pas. Le trottoir est condamné en face. Merde. On est condamné à prendre plus loin. Oh la vache. Et je suis content qu'on croise quasiment personne en tant que piéton. Ça m'arrange. Ça m'arrange nettement. Ah, du coup, tu vois, je suis contracté. Je suis pas stressé, nerveux à me dire merde. Il faut que je braque là la caméra. Faut que j'essive éventuellement un troubillon sur la voie publique, tu vois. Ah, oui, on va aller là-bas au loin. Ah oui, merci, Javert.
Ah là, le mont est en bon état. Oui, oui, le mont est très beau. Non, je pensais aller là. Je suis fou. Voilà. Ah oui, mais là, il y a travaux, ça compte pas. Il n'y a pas de voiture. Il y a trichure. Oui, il n'y a plus de voiture non plus, c'est vrai. Il y a triche, il y a triche. Ya 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 ya. Ouais, ouais, de marquage au sol, ouais. Et c'est là où on s'aperçoit que le futur train passera là où on marche. Non, ce serait bordélique, t'imagines, avec les balcons tout à côté. Ouais. Juste au-dessus. L'enfer. Mais pas très loin de chez moi, il y avait eu un dépôt de plainte il y a quelques années, quand ils avaient réaménagé le réseau de transport en commun, et qu'ils avaient délocalisé des bus ou instauré des nouveaux arrêts de bus. Et il y en avait un qui s'était plaint que l'arrêt de bus était posé devant chez lui. Mais bon, ouais. Mais je crois qu'il a pas eu de gain de cause, hein. Il a perdu. Mais... Ouais, bon, bref. C'est... Je suis sans avis. J'ai en train de parler du café, des petits chocolats pour faire des cafés que j'ai bu au frais. Oh! Oh, c'est pas vrai. T'aimes bien le chocolat au riz ou pas? Oui. Alors, c'est honteux. Parce que j'en ai pas mangé depuis longtemps. Mais... J'essaie d'éviter, mais je vais adorer. Oh, t'as pas fini de me gâter, Nayonet. Foufou, va être adorable. Ça va tourner sur la droite. Et ensuite, c'est toujours tout droit, toujours tout droit, toujours tout droit. Et ouais. Et puis là, ça va monter. Une fois qu'on va tourner à droite, ça va démarrer doucement. Ouais. Arrivé à un moment, on va se taire. Ouais. Et souffler beaucoup. Ah, il faudrait que je relise. Tu penses bien que depuis le printemps dernier, on n'a quasiment pas fait de séances de camion sur mon antenne. Ah oui. Donc j'ai cumulé les brèves et les effets d'hiver. J'en ai une tripotée à vous dire là, j'ai l'embarras du choix. Oh, bien. Et le coup de camion, je suis hors jeu pour l'instant. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, de temps en temps. Non, puis vous êtes plusieurs à me demander à vouloir ce que je me lance dans tel ou tel jeu, ouais. En solo ou en multi. Ouais. Je sais que t'as ta requête me concernant pour Borderlands. Ah oui, oui. Ouais. J'oublie pas, je mémorise. C'est juste que j'ai aucune idée. Bon, quand il ressort la complète collection de Borderlands sur Steam, 60 euros. Ouais. Oui, vu la richesse du contenu. Et je m'étais lancé dans le premier de la trilogie, dans le premier opus. Et je revenais pas à la longueur. Non, je t'en prie, il n'y a pas de mal, excuse-moi. Non, puis il y a montre-bracelet de. Ouais. Oui, c'est bien, on pourra pointer ma. Alors, tu le sais pas, mais hier, sur Arc Fatalis. Quand j'ai joué en direct hier, j'ai eu une frousse parce que je descendais dans la crypte. Donc c'était Halloween avant l'heure. J'ai dit, les gars, je mets mon bracelet pour voir mes pulsations cardiaques. Je suis monté à 110 à un moment. Je les avais là. La rigolade. Ah ouais. Faudrait que je flippe le moment, mais non, j'ai flippé. Et il y a l'inspiration de conception graphique
des réalisateurs du jeu, des programmeurs du jeu, excellent, excellent. Ouais, on va bientôt tourner la prochaine intersection. Ouais, pardon, je filme le passage piéton, faut que j'apprenne à cadrer moi. Mais ah non, la flip, la rigolade. Si ça s'est bien passé les week-ends. Ouais, ouais. Bah et hier j'ai fait 13 heures de direct. Ouais. J'ai fait 9h30, 23h. D'accord. C'est pour te dire. Ah, c'est long. Ah non, mais j'étais déchaîné, j'en avais besoin. Écoute, j'en avais besoin, puis j'étais porté par me dire, chic, le lendemain, j'ai précisé de faire promenade avec toi, et j'ai posé congé. Ouais. D'accord. Il y avait une dizaine de personnes ou pas? Oui, dans ma moyenne. Ouais. Alors, je regardais pas trop. Il y a Aerostar, un amour, qui m'a fait un relais de chaîne, donc lui, il tourne à 30, 40. Ouais. Donc, à un moment, je me suis retrouvé avec une pointe, on va dire, normale, à quasi 40. Mais non, j'étais toujours dans ma moyenne d'une dizaine de spectateurs. Non mais l'ambiance était très bonne, c'était cool. Il y a juste un moment, bah toujours le même jeu, Arc Satalis. Ah, moi je me suis agacé. Parce qu'il y avait un ennemi là qu'on appelle, ils appellent ça les Ilcides. C'est des chars d'assaut sur pattes. C'est des gros chevaliers complètement pétés. Même ma magie d'invisibilité, ils me détectent. Et là je commence à rager, je dis mais c'est injouable votre truc. Et puis j'ai eu un coup de bol, je suis allé un peu au forcing dans ma quête de récolter une fiole de sang. Parce qu'il fallait faire un sacrifice dans la crypte. Mais non, j'ai pesté pendant une demi-heure, là. J'étais pas content du contenu que je diffusais parce que j'étais en échec en boucle. Et ça, c'est rageant. Ouais. Surtout que j'avais vraiment un sentiment d'injustice dans la logique du jeu. Ouais, ouais. Mais bon, ça va, ça. J'ai outrepassé ça et puis la récompense était belle parce que la descente dans la crypte. Je l'ai pas fini, hein. Je reprendrai dimanche prochain sur la. T'as dit c'était quel jeu ? Arx Fatalis. Ouais, je reprendrai dimanche prochain. Oui, et... images, ah, c'est un FPS ou quoi, c'est ça? Oui, on peut le voir comme un FPS, oui, ouais, c'est vrai. Première personne. Oui, 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 oui. Mais c'est un peu un mélange de tout, c'est ce qui fait son charme. Il y a un côté jeu de rôle, RPG là, et, mais incarné comme tu dis en FPS, en vieux FPS. C'est pas un first person shooter, c'est un jeu. Tu bourrines pas tout le temps. Il y a des phases où effectivement c'est violence, mais non, non, il y a beaucoup de réflexion, il y a des énigmes. Là, justement, je suis parti à la rencontre des premières énigmes hier et j'ai de quoi réfléchir. J'en ai résolu une simple avec trois leviers, mais alors il y en a une là, le serpent d'or, le sceptre et l'épée qui se croisent, c'est son talon d'Achille. Celle-là, je l'ai pas capté encore. Ou alors j'ai peut-être capté, mais j'ai pas trouvé le moyen de mettre à l'honneur la solution de la bonne manière, je pense. Voilà, les travaux, on les voit, et c'est là où ça commence à grimper. Et nous, on va aller dans la colline d'en face, un peu sur la droite, qui est le parc de Brabois. À mon avis, dans trois quarts d'heure, une heure, on est au sommet. La madame Burke, la vache. Ah, j'ai eu un nuage de clopes, ça m'a coupé la chic et la respiration. Oh oui, fais comme tu le sens. Attends, je vais peut-être ralentir un peu aussi. Comme ça commence à monter. J'ai mis un pull, mais il n'y a pas besoin. Je crois que je vais enlever bientôt. Oui, tu vas avoir chaud. Non, j'étais. Il y a des éclairs frais. Mais non. Ah, j'ai mis l'air avant de partir de chez moi à la fenêtre. Ouais. Et j'étais confiant, je me disais là, les manches courtes, je peux les avoir dès le départ. Comme j'ai la chance de ne pas être frileux, alors, au contraire. Je remarque que tous les gens, des fois, oui 3, 5, 4 jours sur 5, ils jettent un œil à la caméra. J'ai envie de faire des vidéos filmées l'histoire.
Certaines vidéos historiques où tu as plein de gens qui regardent la caméra. Ouais, ouais. C'est bêtement, comme des zombies. Non, puis c'est pas comme si la mienne était habillée d'une chaussette toute pourrie. Ouais. Ah, ouais. Tu l'as pas acheté finalement. Je l'ai pas quoi ? Jeté. Je jetterai à la fin de la saison. Pour moi, la saison n'est pas finie, il fait encore beau. D'accord. C'est... Excuse-moi, mais... Ah d'accord, pourquoi tu l'as acheté ça ? Je n'aime pas là. Bah, je te confesserai que je partais pessimiste. Ouais. Allez, est-ce qu'on puisse la faire ? Je me dis, bah, le mauvais temps va revenir, ça va être la fin de la belle saison. Ils ont rajouté une bombe cyclable. Là, je... Ouais. Ah, peut-être qu'un jour je la testerai. Ah bah, cet été, j'ai eu le plaisir de faire du vélo avec ma maman. Et j'ai fait une partie du boulevard Lebeau en vélo. Ça me faisait bizarre d'être au milieu des bagnoles, mais en vélo. Voilà. Ah oui, j'ai une entrée de magasin. La vache. Ah ouais. Ça calme tout de suite. Les travaux, ça calme tout de suite. Il n'y a plus que les piétons ici. Oui, ça bosse. Ça bosse. Oh là là. L'avenue du général Leclerc. Ok, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors qu'il y a une bande d'entrée. Génial. La bande barrière qui a été défoncée, déboîtée, qui est en PLS au sol. Tout va bien. Ah oui. Moi, tu sais quoi, je vais boire un coup. Attends, je fais ça parce que... Oui, t'inquiète pas. Non, je vais mettre au sol au pied du truc. D'être pour la perche, je veux bien, ouais, ah, vas-y, okay. Moi. Vas-y, fais-toi plaisir. Glisse la main à l'intérieur de la chaussette si tu aperçois trop très tard. Attends, je bois un coup rapide. Coucou. Ouais. Mais génial. Là, on a des conditions encore extrêmes de promenade, c'est extraordinaire. Une pâtisserie juste derrière si tu as besoin de manger quelque chose. Je vais me chercher plus loin. Je vais honteusement profiter pour me moucher un coup. Vous n'avez rien vu, rien entendu. Alors, on a déjà fait. Attends, les stats. Alors, 57 depuis chez moi, donc on a déjà fait 6000 pas. On a fait 4 km. Donc, on va dire. La place Sainte par rapport à chez moi, il y a un kilomètre. On a fait un peu plus de 3 km de marche déjà. Ouais. Ça, on a marché un œil. On était vite. Hein. Attends, je réoriente la caméra. Ouais. Tu veux la tenir un peu ou je la reprends ? Non, je te la repasse. Ok. Tiens. T'es un chef, t'es le meilleur. Je t'en prie, merci. C'est bon. Ouais, nickel. Donc. Merci, Nayane. Hop là. C'est parti, bon kiki. Attends, je te passe devant. Je dégouline de sueur. C'est horrible. Il n'y a même pas de bagnole. Alors, j'en suis à 40 minutes. Il n'y a toujours pas de bagnole. Vous voyez, je regarde derrière moi, c'est pas comme si je prenais la voie des automobilistes. Mais comme il n'y a pas de tuture, honteusement, j'en profite.
Vas-y, passe devant pour une fois. Oui. On change. Ouais, c'est sympa. Oh, le joli chien. Oui, qui que quoi le béton des années? Ils mettent du béton. Ah oui. Ils mettent pas du goudron, du macadam. Ouais, ouais. Ah si, après une force. Ouais. Eh ben. On va peut-être pêcher. Oui, on peut. Ah. Alors, je ralentis, je te laisse observer. Ah, je te laisse observer. Je sais pas si c'est un trottoir ou une route, mais ça me l'air d'être un trottoir plutôt. Mais stylé. Il y aurait la bande cyclable le long du mur. Ah, pourquoi pas. Et séquence inédite. Hein. Je pars sur la route, il y a feu rouge pour les bagnoles, mais il n'y a pas de bagnole. Il n'y a pas de tuture. Ah oui, il y a des vélos quand même. Ah oui, là, on arrête de déconner là. Tu as raison. Attends, c'est vert. Après, j'espère qu'il n'y a pas de glisse. Oh oui, j'allais dire oui en hiver, faire gaffe. Le dallage, effectivement, au sol est troublant. Oh, c'est beau. Bon, c'est du plastoc, mais j'aime bien le... C'est bien. Jolie devanture de magasin. On arrive place Blandan. Ouais. Alors attention, là, on sait pas comment on peut circuler. Ouais, faut dire vite feu. Ouais, je sais pas si. Ouais, je sais pas si. Merci. Tu touches pas? Non, ça va. Je vais pas casser ta caméra. Non, moi j'ai salué bien, le. Ça marche alors, c'est bien. C'était un logiciel à la con qui fonctionnait. Ah. Oui, ouais. Non, mais là, oui, non, c'est opérationnel. Non, mais non, pas deux fois la même panne. Mais vraiment, j'étais en pétard. Vendredi, quand je suis rentré chez moi, je filme l'inné intérieurement parce que. Ce que j'ai expliqué sur mon antenne ce week-end dans le détail, j'estime que c'est le genre de bug qui ne devrait pas se produire. Ouais. Parce que d'avoir aucunement la main sur ton téléphone,
Ouais. Ça se prépare. Alors, c'est un téléphone où j'ai pas de puce 4G dedans, je m'en fous, je m'en sers pas sur sa fonction première de téléphone. Mais t'imagines, ça aurait été mon vrai téléphone. Ouais. J'avais un problème, je devais faire un appel d'urgence. Je pouvais pas, j'étais mort, ouais. J'étais foutu. Donc, non, ça devrait pas se produire ce genre de bug. Oula. Alors, attends, on va se garer sur le. Ah oui, il y a vraiment des travaux tout du long de la voie. Ça déconne zéro. Ah ouais! Ça bloque les places de parking. Eh oui, toujours et encore les travaux. Je crois qu'il n'y a plus qu'un parking gratuit à Nancy. Ouais. Une rue qui est gratuite pour stationnement. Ça fait peur. Ouais. Tout le monde va se trouver taxé. Ouais, c'est ça. Mais en 2025, à mon avis, il n'y a plus d'emplacement gratuit pour les bagnoles Nancy, intramuros. C'est l'horreur, mais. Pff, et encore. Tu vas retrouver un, on va dire, un paiement déguisé sous forme de taxe impôt. Oui. Oula. Alors, on va bifurquer comme ça exceptionnellement. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de véhicule, c'est. Oh merde. Oh non, il y a une voiture qui triche. Il y avait une voiture qui trichait. Prenez la seule voie en contresens. Vache, ils ont posé le béton ce matin. On voit qu'ils ont coulé la dalle ce matin. C'est du frais, ça. Ouais, fourgon de la poste. Ah, la voiture était jaune entièrement, hein, c'est plus que le logo qui est jaune. C'est vrai, ils ont plus de frais pour la peinture jaune. C'est peut-être ça en plus. Et j'avais déjà dit, mais il y avait un jeune américain stagiaire, un américain qui avait été stagiaire dans son administration, tu sais, du côté de la Maison Blanche ou je sais plus quoi, un équivalent. Ouais. Et il avait dit aux fonctionnaires. Mais pourquoi vous définissez par défaut cette police de caractère pour tout fonctionnaire, les documents édités en interne? Et surtout, vous en imprimez en dur sur sortie papier. Ouais. Effectivement, ils ont suivi les conseils du stagiaire. Dans l'exercice suivant, donc l'année suivante, où ils sont mis à imprimer tous les documents avec une autre police de caractère un peu plus fine, ils ont économisé 15 millions de dollars d'encre. Non mais coco, il n'y a pas de petites économies. Hein. Ouais. Effrayant. Mais sur l'ensemble des États-Unis d'Amérique, hein, les 50 États. Mais non, ça déconne zéro. C'est pour ça que je rigole avec le coup, il n'y a plus que le logo qui est en jaune sur la poste. Les fourgons, et plus tout le véhicule. Plus que le bic d'encre aussi. C'est ça. Non. Ouais, je serais pas surpris qu'il y ait une idée, un raisonnement comme celui-là. Enfin bon, je crois qu'on peut revenir sur la route. Ouais. On peut revenir sur la route. Eh oui. Il y a les bagnoles n'ont même plus le droit de passer, j'ai l'impression. Alors. Une tolérance, mais. Non, mais t'as vu comment ils sont démotivés, mais il n'y a plus de voiture. Le fourgon de la poste, il est là-bas. Alors faire attention à l'eau, mais. Mais non, mais il n'y a plus de voiture. Il y a des grandes artères. Il n'y a plus de tuture. Nancy est en train de devenir 100% piéton. Ouais. Bah, les derniers chiffres au niveau du réseau de distribution d'eau en France,
on aurait en sous-sol 40% de perte. C'est énorme. Hein. Je sais pas. Oh, ils savent ce qu'ils font. Là. C'est des ouvriers. Mais. Ça, au bout d'une heure qu'ils ont laissé couler l'eau. Enfin, on perd plus d'un tiers de notre eau potable en sous terre à cause des canalisations qui vieillissent mal ou qui se disloquent. Tu sais, avec les mouvements de terrain, ça se déboîte. Ouais. Les embouts de tuyaux, les joints, les jointures. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, c'est un mal pour un bien. Parce que perte, j'ai envie de dire perte entre guillemets, on a quand même, du coup, ça arrose, ça hydrate le sol en souterrain. Et bon, certes, ça allait tuer parce qu'au-dessus, on a du béton en général, c'est la ville, c'est urbain. Mais je trouve que c'est pas si grave que ça. Bah, le problème, c'est que l'eau a été traitée, que c'est assez coûteux et nocif pour la traitement de l'eau. C'est vrai. Mais ça, que je sache, ça minimise, ça diminue l'effet de bah, ce que je vous disais, les terrains argilo-calcaires, plusieurs fois. Les maisons qui pètent, les immeubles qui craquellent, parce qu'il y a des fissures qui apparaissent, ça pète comme des biscottes à cause du manque d'eau en sous-sol. Et c'est pas cool du tout. Ah, okay. Il paraît que la moitié des derniers chiffres analyse, la moitié des maisons en France commencent à se fissurer, ouais. Et c'est pas du tout bon signe. Et même les assureurs, ils sont dépassés par l'événement. Ils avaient sous-estimé le phénomène. Ils se rendent compte que il y a la moitié des bâtiments, enfin du moins des maisons individuelles en France, les immeubles, je sais pas ce qu'il en est. Mais non, mais c'est catastrophique. Ça vaut même plus le coup d'être propriétaire. Grand carrefour dans le séance, celui-là. Et là, ça va commencer à grimper sévère. Ouais. Alors, le passage. Je sais plus où il est, le passage piéton, parce que, ouais. Parce que ça fait des années que je suis pas revenu ici. T'as vu quand ça a été refait, quoi. Ouais. Moi, je me souviens de l'époque où il y avait une fontaine. Il y avait. Ils avaient mis deux vitres géantes de 50 mètres d'eau. Enfin, 50 mètres, j'exagère. 30 mètres de haut, mais c'était magnifique. Et ils faisaient couler de l'eau entre les deux vitres. Ça simulait une cascade, c'était trop stylé. J'adorais ce rond-point fontaine. Ouais. Hop, je coupe l'enregistrement là. Pour en faire un autre derrière.